bienvenue pour la suite de Dying Light 2. Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de cette folle aventure. Nous sommes à la partie 10 des vidéos et nous allons buter du zombie. Voilà, je vous le dis, cash, on va dire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous visionnez la vidéo. Pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir afin de ne rien rater aussi des nouvelles sorties. C'est gratuit. Pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Et sans plus attendre, nous démarrons de là. La One Again, Beast to Fly, on n'a pas peur, on est des rappeurs. Yes, Birdie, et toi, mon ami, derrière l'écran. Allez, go, commande, on y va. Donc, on doit aller à 28 mètres, comme vous pouvez le voir. On va sauter par où, là? Putain, je vais me casser la gueule. Allez, on saute là, regardez. Waouh! Super. On verra bien qui va l'emporter. Ah, bah t'es là toi, tiens, bonjour. Apparemment, les pacificateurs nous observent. Qu'ils regardent autant qu'ils veulent. Ils verront qu'on peut leur réserver le même sort qu'à Jack et Joe. T'as dit que c'était le moment d'agir. C'est ce qu'on fait. J'ai envoyé 3 éclaireurs au camp. Carl et les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment. Mmh. Ah, ce bâtiment là? Ok. Waouh, camp des bandits. Bon, mais écoutez, on va y aller, allez, hop là. On n'a pas le temps de niaiser, là. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gardes, et la plupart sont endormis. Le campement a différentes entrées. La principale est un vrai suicide. C'est là que se trouvent la plupart des gardes. Ok. Entre en premier. On passera à l'action depuis l'autre côté. Ah ouais, d'accord. Comme ça, on les prendra en tenaille. Ok. Au moindre problème, on se retire jusqu'à notre base. Où ça? Ah bah ouais. Le Tango Motel. Ouais, c'est moi qui vais tout faire, comme d'hab. Putain, franchement. Bon, allez, loulou. Hop, on s'assure. Voilà. Ça va mal finir pour toi, enfoiré. Étrangle-toi avec ça, fumier. À couvert. Vous êtes vraiment plus énervé que ça. Allez, on va. Je sais pas comment on va se les faire. On va essayer de trouver un moyen. Défoncez-le. Furtivité, ouais, ok, ouais, bon. Écoutez. Changement de plan, Aiden. Ils ont attaqué notre abri. Qui? Sophie? Mes hommes sont sur place. Trouve Carl, sauve-le et récupère nos cristaux. Vite! Je vais faire mon possible. Bah attends, hein. Ah non, là je peux pas. Je suis trop petit. Je suis trop petit encore une fois. On peut rentrer par où là? Putain. On va pas se le faire en furtif, les gars, je vous dis, moi. Ça continue comme ça. Comment se le faire à la One Again Be to Fly, hein. Ah, mais par là, regardez. Oh yeah. Voilà, regardez. Quelle technique. Voilà, regardez, vous avez vu Night, le Yamakasi. Ok. Voilà. Hop. Ni vu ni connu, hein, je vous le dis, moi. Ils sont où, ça perd l'hypopète. Oh, ils vont être nombreux, hein. Je vous le dis. Attends, laisse-moi le son. Bon ben pour la furtivité, on reviendra. Ils sont un peu nombreux, hein. Je sais pas comment on va se les faire. Ah, mais j'ai des couteaux de lancer en plus. J'ai des couteaux de lancer, regardez.
sont où? Ils sont là. Allez. Bah, ils m'ont pas vu, ils sont cassés, donc c'est bien. Il va l'avoir, couteau de lancer d'ici, à votre avis? Non. Ah ouais. Tu m'auras pas. Ouais, laisse tomber, allez. Et comme ça, je vous dis. Comme ça, hein, jeter, ouais. Oh, esquive, mais tu tombes. Viens, 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 t'attends, viens, viens, viens. Hop. Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes pas, mais t'es mort. Ah, t'es beau, tiens. Ah, écoutez, on va rester là. Hein. Viens, 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 toi. Viens, 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 mon gamin. Bon, tu crois? Venez me chercher là-haut, tiens. Venez me chercher là, tiens, tiens, viens. Viens. C'est pas grave. J'ai sonné l'alarme. Je vais montrer quel voisin de top. Ils sont trop longs, ils sont trop longs. Tiens. J'ai pas le temps d'attendre là. Tiens, monte. N'oublions pas les loulous, on est quand même en difficile en ce moment. Vous avez vu les esquives qu'ils font, les coups. Prépare-toi à mourir. Allez. Vas-y, sonne là ta cloche, sonne, sonne. Bougre de poussant, on va. Tiens, je te fais une esquive parfaite, tu vas voir, mec. Oh, ou pas, ou pas. Voilà, comme ça, je me mets de la vie, vous voyez. Tranquille. Alors, blaireau, t'en penses quoi? Non! Ils font mal, hein, les gars, ils font mal, je vous l'ai dit. Ok. On va en reprendre là.
On va se refabriquer une vie, hein, les loulous. Oh oui, c'est bien. Voilà, super. Ah, je peux pas sauter là-haut, putain. On va refaire le tour par là où on était passé. Non, là on peut pas monter. On repasse par là, hein, c'est pas grave. Faire le tour par là, non? Pourquoi je peux pas m'accrocher là? Ah, trop petit, jeune Padawan, trop petit. Allez. C'était beau ça les loulous. Donc tout à l'heure nous sommes pas passés par là, donc on va voir un peu si c'est pas mieux. Là, c'est pareil hein. Un adhésif. Ah. Ah ouais, zone dangereuse, non mais je sais bien. Je sais bien. Je suis déjà mouru. Tout qui est bleu en plus, hein. Oh. Putain. Ok. Yeah. Ça c'est beau, c'est propre. Voilà, on est sur le toit direct. Bon, par contre, je me demande du toit comment on va faire pour les tuer, hein. Mais bon, ça va être compliqué, ça encore. Ouais, j'ai été un peu haut hein, quand même. Putain. Ah ben regardez. Faire plus intelligemment que tout à l'heure parce que tu veux pas me lasser là. Voilà, merci.
Et le chef de bande, il est où le chef de bande? Donc là-bas, ça me déjà quand t'es mort hein, tout à l'heure, ça c'est bien. C'est un petit boss, c'est tout. Abat ça. C'est bon, on a eu le chef de gang, les loups. Ça mal. Ou ta femelle. Faut arriver. On a eu les loulous, le combat est tué pour toi. Donc c'est bien parce que ça m'a gardé quand même ce que j'ai tué tout à l'heure. Établissez la zone sécurisée, ok. Ah merde! Une fois le totem récupéré, tout le butin. Oh ouais, ok, attendez. On va d'abord récupérer hein, les loups. Donc à mon avis, c'est de l'autre côté. Celui du haut, c'est de l'autre côté. Non? Okay. Ah non, encore un petit coup là, regardez, non. Non. Là on est bien là, ouais super. On n'allait pas leur laisser ça tout de même. Hein. Oh là là, tout ce qu'il y a. Ah c'est la fête là les loups, hein. Regardez. Du loot, toujours du loot, rien que du loot. Putain. La razzia là les loups, la razzia. Franchement. C'est cadeau. Allez, super. Attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres loot là? Parce que j'ai pas envie que tout disparaisse tout de même. Ça sera embêtant. Regardez. Non, ça c'est juste des. C'est comme les briques, vous savez, c'est comme dans The Last of Us. Les bouteilles, c'est pour distraire. C'est bien, on n'a pas eu besoin de tout se refaire. Une arme de fortune, on récupère, c'est cadeau. Hop, non. Ah, lui, oui.
mettez-moi en commentaire, les loulous, ce que vous avez pensé du combat. Vous voyez, on est en mode difficile. C'est pas non plus... faut vraiment bien esquiver. Hein. Vous ratez une esquive, vous êtes mort. Latéralement mort. Dites. Si vous êtes mort, c'est pas la vie. Si c'est pas la vie, c'est la mort. Hein. Allez. Oh. Petit trou. Une poubelle. Ah. Oh. J'aurais pu mettre un sac, hein, quand même. Bon, je pense qu'on a... Je pense qu'on a bien tout récupéré, hein, quand même. Allez. Il y a sûrement encore d'autres choses. Ah, peut-être dans la baraque là, on n'a pas fait. Voilà. C'est bien tous ces cadeaux là, franchement. C'est excellent. Allez. On va jouer de la manivelle là. Stay away. Wow, drapeau en flamme, c'est beau, un petit trophée pour vous les loulous. Plan. Oh, bah, c'est bon ça. C'est bon. Allez, donc. Dire, Sophie, elle est 10 fois plus courageuse que Carl. Bravo, pèlerin. Bah ouais, bravo. Revenez quand vous voulez. Ah, bah ouais, c'est moi qui l'ai fait. Pèlerin, où sont tous les autres? Ils se sont fait attaquer. Où sont les cristaux? Par ici. Contact Sophie, vite. Sophie, j'ai Carl, il va bien. Et vous? Sophie? Sophie? T'es là? T'es là? T'es là? T'es là ou t'es pas là? Tu dois les aider, Aiden. Où sont Jack et Joe? Où sont Jack et Joe? Ils sont échappés du camp dès qu'ils ont entendu les combats. Moi, je sais pas, mais j'ignore pas ce qu'ils manigancent. Ils ont dit qu'ils attendaient des renforts. Quel renfort? Je sais pas trop. Joe parlait des renégats. C'est ce qu'il subsiste de l'ancienne armée. Ils contrôlent le barrage de l'autre côté de la ville. Dernièrement, ils ont été aperçus dans le bazar. Où est-ce que je dois aller? Au Tango Motel. C'est la cachette de Sophie. Cours! Et vite! Bah, et t'as pas d'ordre à me donner, toi? Je suis content de te voir. Ah ouais, ouais, t'es content de me voir. Mec. Pas courir, hein. Attends. Combattre comme un fou furieux là. Allez. Donc écoutez, il faut aller là-bas. Il y a enfin quelqu'un qui a remis ses enfoirés en place. On va prendre de la hauteur. Hein. Voilà. Pas trop non plus. Parce qu'après, il faut sauter, il faut redescendre, vous voyez. Oh yeah. Oh, bonjour. Là, on va au Tango Hotel. Un conteneur ici. On rentre partout ces conteneurs, mais j'en trouve pas. J'ai entendu des bruits provenant du petit village de Jack. C'est pas tout, Hakon. Quelqu'un a attaqué la cachette de Sophie et Barney. C'est peut-être les pacificateurs. Ouais. Chier. Oublie pas pourquoi t'es là. On est censé accéder à la boucle centrale et pas nous impliquer dans les conflits locaux. Ne t'implique pas. Retourne au métro. On va partager ce qu'on sait avec Aitor et il nous laissera peut-être passer. Allez voir Sophie, allez voir Aitor, putain. Oh là là, qui? Ah, je vais voir Sophie. Je dois y aller, Hakon. J'ai promis d'aider Sophie.
En plus, c'est le seul moyen d'obtenir la vérité. Ok. Je te recontacterai. Je suis pas trop pour les Sophie, mais bon... Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ah bon, il est où? T'es où, monsieur le conteneur d'inhibiteur? Oh là là, il y a du loot, il y a du loot, il y a que du loot, c'est trop beau. Sophie! Non. Dites-moi, Barney, dites-moi qu'elle s'est cachée, quoi. Sophie? Sophie, au rapport! C'est vraiment les malheurs de Sophie, là, hein, je vous le dis. Tiens. Il y avait un sac de l'autre côté. On fouille, hein. Le pognon et tout. Il y avait un sac là. Eh ouais, il y a un sac là. Je repère le truc là. J'aime bien sa façon de fouiller, franchement. En mode lévitation, quoi, c'est excellent. Il a vraiment un sacré dent, le mec. Hein. Conteneur du 8h, il est pas là, hein, de toute façon. J'ai pas vu ça. Vous, gros de petit cochon, t'étais caché. Toi aussi. Faut rien laisser. Ouais, mais où, je les trouve jamais. Oh. Oh, là derrière, putain. Allez, un crostage pour le plaisir. Oh, c'est beau, c'est du propre du premier coup. Une pelle cassée qui me servira de hache éventuellement. Et comment on se rentre là? Moi je veux bien, franchement je veux bien. Je veux bien, mais comment je rentre? Pas par là en tout cas. Bon ben écoutez. Ah ben ok. Par l'extérieur donc. Non. Comment je vais aller de l'autre côté là? Ouais, je sais. En plus, il fait nuit, trop bien. Trop bien, j'ai envie de dire. Sophie, où es-tu, quoi? C'est par là, peut-être? Oui, il est là, enfin. Yeah!
Ça c'est top, les loups. Ouais, là, voilà, voilà, c'est très bien. Bon, on va vite essayer de retrouver Sophie. Et on s'arrêtera là-dessus. Prends juste les coffres, s'il y a le plus gros. Hop, 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 allez. Ah, oh non. C'est Hayden. Tes hommes sont morts. Hayden, je commençais à t'apprécier. T'as attiré les pacificateurs jusqu'ici. Je vous ai aidé. Tu nous as trahis. Alors maintenant, on doit te tuer. T'as aidé Hector et toi-même. Tu nous as juste aidé pour arriver à tes fins. Qu'est-ce que t'attends? Tu sais pas quoi faire? Barney! Barney, attends! Bon, ben on finira sur un combat, nous. Et on va les ruiner. Goûte à ça, ordure. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Ah, il y en a encore. Waouh. Bon, ben écoutez, nous... Je pense que nous allons nous arrêter là-dessus. Le combat sera au prochain épisode, si ça vous va, ok? Allez. Donc, merci à tous pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Pour toi qui es nouveau, bien, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification si la chaîne te plaît, bien sûr. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Portez-vous bien, on se dit bye bye, à très bientôt les loups. Je vous aime à tous, allez, ciao.